Mes apprentissages en français 5e AEP. Thème, les inventions et les créations. Dialogue, 1, unité, 4. Activité, communication et actes de langage. Objectif, informer et s'informer sur les inventions et les créations. Support didactique, livret de l'apprenant page 108 et 109. Intitulé, l'inventeur Rachid Eliazani. Commençons la lecture de notre dialogue maintenant. L'inventeur Rachid Eliazani. Bonjour Monsieur Yazani, soyez le bienvenu sur le plateau, les stars de la science. Pouvez-vous nous parler de vous ? Bonjour, je suis marocain originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire ? Après des études au Maroc, j'ai été en France où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur ? Je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. Combien de brevets avez-vous obtenus pour vos recherches et découvertes ? Il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. Tout ceci est passionnant. Merci pour toutes ces précieuses informations. Répétons le dialogue une autre fois. L'inventeur Rachid Eliazani. Bonjour Monsieur Yazani. Soyez le bienvenu sur le plateau, les stars de la science. Pouvez-vous nous parler de vous ? Bonjour, je suis marocain originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire ? Après des études au Maroc, j'ai été en France où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur ? Je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. Combien de brevets avez-vous obtenus pour vos recherches et découvertes ? Il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. Tout ceci est passionnant. Merci pour toutes ces précieuses informations. Répétons le dialogue pour une dernière fois, mais un peu plus rapidement. L'inventeur Rachid Eliazani. Bonjour Monsieur Yazani, soyez le bienvenu sur le plateau, les stars de la science. Pouvez-vous nous parler de vous ? Bonjour, je suis marocain originaire de Fès. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par la science. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire ? Après des études au Maroc, j'ai été en France où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur ? Je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de l'anode utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. Combien de brevets avez-vous obtenus pour vos recherches et découvertes ? Il y a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques.
Tout ceci est passionnant. Merci pour toutes ces précieuses informations. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.